Merci beaucoup. Effectivement, nous venons d'avoir une grande opportunité avec certains représentants de la communauté humanitaire de rencontrer Son Excellence le Premier ministre et de lui présenter l'état des lieux de la situation humanitaire, mais également sur les contraintes que les humanitaires rencontrent ici pour travailler, que ce soit en termes d'accès, de sécurité et surtout de ressources. Donc le Premier ministre a bien pris en compte tous nos points et il a effectivement aussi apporté des solutions et des réponses, et surtout il nous a encouragé à continuer ce travail. Il faut savoir que dans la province de l'Ituri, il y a 2,8 millions de personnes qui sont dans le besoin et 1,7 million de personnes qui sont déplacées. La moitié de la population d'Ituri, même plus de la moitié, est affectée d'une façon ou d'une autre par la situation d'insécurité. Il y a quelques jours, on était en train de célébrer la journée de l'aide humanitaire, qui était l'occasion de rendre hommage aux travailleurs humanitaires, mais tout d'abord à tous les Congolais qui sont en train de soutenir leurs compatriotes, notamment leurs compatriotes déplacés, en partageant avec eux que ce soit leur nourriture, leur toit ou tous les services auxquels eux ont accès et que d'autres qui ont été affectés n'ont pas accès. On a une coordination très efficace, en tout cas avec le gouvernement provincial, et on espère que ça va continuer dans ce sens. La coordination se passe bien et on a l'opportunité d'échanger sur nos contraintes.